C'est notre première mission à Rainbow World! Alors les filles, vous êtes prêtes? Les animaux couverts d'arc-en-ciel liquide? Check! Du wrap d'arc-en-ciel liquide pour un voyage retour sans encombre? Double check! Des magnifiques tenues arc-en-ciel? Triple check! Je suis trop motivée pour partir à l'aventure! Oui, j'espère être à la hauteur. Skyle, comment ça pourrait mal tourner? T'as vu la tête de mes prismes arc-en-ciel? On dirait plutôt des cataprismes. Ils sont tout petits et tout de travers. T'imagines si je reste coincée? Skyler, tu t'inquiètes pour rien, je te jure. Fais-moi confiance. Je te connais, tu vas trop assurer. Je vois que vous êtes prête à vous mettre en route pour votre première mission. Oui, enfin j'espère. Vous avez toutes fait un travail merveilleux quand vous vous entraîniez. Maintenant, ça y est, vous êtes prête à mettre vos compétences en pratique à Rainbow World. Excellent choix de couleur, dites-moi. Sauf peut-être les zones assombries, là. Tu as l'œil, Ruby. Ces zones assombries, comme tu dis, ont besoin de l'aide des rayonnantes. Oh, d'accord, je vois. C'est quoi une rayonnante? C'est vous. Vous êtes les rayonnantes. Rainbow World a toujours eu des rayonnantes. Et quand quelqu'un n'a plus assez confiance en lui et qu'il perd un peu de son éclat, ce sont les rayonnantes qui viennent l'aider à retrouver sa flamme et à briller de mille éclats. Mais comment on aide quelqu'un à retrouver sa flamme? Il suffit seulement d'être vous-même. J'ai vu comme votre éclat s'est renforcé quand vous étiez ensemble à Rainbow High. Et maintenant, vous allez pouvoir aider les autres à trouver l'arc-en-ciel qui réside en chacun de nous. Pour la mission d'aujourd'hui, vous voyagerez en groupe de deux. Ruby avec Jade, Bella avec Violette, Poppy avec Abaya et Sunny avec Skyler. Dites, ils vont pas paniquer en nous voyant débarquer dans leur salon comme ça? Mais non, ils seront ravis de vous voir. Dans l'univers de Rainbow World, tout le monde sait qui sont les rayonnantes. Salut partenaire! C'est pas trop génial! Avec moi, je peux te dire que t'as aucun souci à te faire. Je me suis entraînée plus que n'importe quelle fille du groupe, alors je sais exactement ce qu'il faut faire. Oui, c'est vrai. T'as raison. Coucou toi! Oui, t'aimes pas les gratouilles sur la tête? Et voilà! Je vais piquer une tête dans l'arc-en-ciel! Kira, tu vas être en retard pour ton premier jour d'école. Enchantée, moi c'est Sunny, tu vas bien, Elsa? Skyler, enchantée, on est... Les nouvelles rayonnantes. Et vous venez me voir moi, dans ma chambre? J'étais trop stressée. Oh. Si nous sommes venus te voir, c'est pour t'aider à mener à bien la quête qui te permettra de retrouver ta flamme. Je crois que t'as besoin d'un coup de main, pas vrai? On vient d'emménager ici et aujourd'hui c'est mon premier jour d'école. Mais j'arrive pas à trouver une tenue assez bien à mettre. Je sais pas quoi faire, c'est une catastrophe. Une urgence stylistique, c'est ça? Oh, on va t'arranger ça. Alors, c'est quoi ton style? Ouh, j'ai trouvé des jupes et des chaussettes. Est-ce qu'il y a une couleur en particulier qui te parle plus que les autres? T'as des petits hauts trop mignons. Peut-être que... C'est l'heure du défilé de mode! Non, on n'a pas le temps! Il faut que je sois partie dans 5 minutes au plus tard! Oh, qu'est-ce que je vais devenir, moi? On va trouver une solution! Tout ce qu'il faut, c'est rester positive! Si on adopte une attitude parfaite, ça nous aidera à trouver une tenue parfaite! Merci! Mais j'ai vraiment pas l'impression d'être moi-même avec les tenues que j'ai là! Je comprends pas, Skyler! On a suivi à la lettre toutes les consignes de Miss Morton! Pourquoi ça marche pas? Pourquoi tu ne te sens pas toi-même avec les tenues que tu as? Je sais pas trop, c'est mes anciens vêtements et je change de ville et d'école et d'amis. C'est pas facile de... De lâcher prise et d'être toi-même. Tu sais quoi? Moi j'ai très peur de ne pas être une assez bonne rayonnante. C'est vrai? Je savais pas que les rayonnantes avaient peur aussi. Ça m'arrive tout le temps d'avoir peur, oui. Surtout quand je fais quelque chose de nouveau. Tu fais quoi dans ces cas-là? D'abord, j'accepte ce que je ressens. Il vaut mieux parler de ses sentiments plutôt que de les garder au fond de soi. Et ensuite? Ensuite, il faut laisser les bonnes personnes te remonter le moral. C'est à ça que servent les amis et les rayonnantes. We're gonna fix this, you're gonna get this, we'll make it all just right. Blue is beautiful, green is gorgeous, orange, yellow and bright. Just the color, you'll be on your way. If you're smiling, you'll be styling today. Try, you'll find an outfit that matches you inside. A little
m'inquiète, c'est pas mes vêtements. En fait, ce qui me fait le plus peur, c'est ce que les autres vont penser de moi. Je comprends tout à fait ça. Ce que je sais, c'est que nous, on pense que t'es une fille géniale. Et que t'as des tas de vêtements magnifiques à te mettre avec ceux que t'as déjà. Il faut juste que je lâche prise et que j'arrête de m'inquiéter autant. Je crois que tout bien réfléchi, la couleur que je voudrais porter aujourd'hui, c'est... du vert. Quand tu trouveras ta couleur, c'est notre arc-en-ciel. On soutiendra nos sœurs, ça donne des ailes. On brille de mille éclats, de mille éclats. Je ferais mieux d'y aller, je veux pas être en retard. Merci les filles, vous m'avez vraiment sauvé la vie. Voilà, c'est fini. Sunny, qu'est-ce qui va pas? J'étais tellement occupée à essayer de tout faire comme il fallait que... j'ai pas vu que la solution était juste sous mon nez. C'est toi qui lui as redonné confiance en elle. J'aurais même pas eu le courage de venir jusqu'ici pour l'aider si t'avais pas été avec moi. On a une leçon à apprendre de Kira. Il faut qu'on lâche prise et qu'on reste nous-mêmes. Si on arrive à faire ça, on peut faire une super équipe. Maintenant, retournons voir nos amis. Pique une tête dans l'arc-en-ciel!